m'a chargé de nommer justement le repas le plus équilibré, donc d'un point de vue nutritionnel. Donc je suis un petit peu baladé dans la cuisine et j'ai regardé justement si on respectait les cuissons, si on respectait l'aliment d'un point de vue nutritionnel. Et je remets le prix parce que pour ma part, c'est eux qui ont le mieux respecté les techniques de cuisson et les aliments, Grigori et Alexandra. C'est une belle reconnaissance. Oui. On a essayé de préserver au mieux les produits, donc pas trop les chauffer, voilà, trouver une meilleure partie. J'ai posé à chacun la question, est-ce qu'on pourrait associer gastronomie et santé? Ils m'ont dit oui, sans problème. Mais quand je voyais de la manière dont ils cuisinaient, je me dis, les pauvres, ils savent pas, non. Et moi, quand on me demande d'être critique par rapport à la santé, ben, je peux pas, je dois être attentif à ça. Et quand on donne des conseils en consultation pour manger plus d'oméga-3, certes, il faut en manger plus, mais pas les détériorer par des techniques de cuisson.